لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, deuxième édition de notre programme Les 10 premières nuits. Hier, et au cours de nos premières séries, cette édition, nous avons démontré comment ces 10 nuits sont les meilleures nuits, sont les nuits bénies, et qu'ils ont été choisis pour permettre également à tous les croyants et également à tous ceux qui viennent adorer Dieu de leur permettre de multiplier leurs adorations. Aujourd'hui, nous allons parler, et je salue Dr Tawfiq Sayer. Et bienvenue à toi et bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs. Et je demande à Dieu que ces 10 premières nuits maintenant soient les nuits bénies. Et je vous rappelle que 48 heures ont passé de ces nuits. Je tiens à vous rappeler aussi pour un peu enthousiasmer les gens, parce qu'on sait très bien que ces horaires passent. Alors, il faudrait en profiter. Nous savons ces 480 heures et 48 heures ont passé de ces 10 premières nuits. Donc, je vais tout d'abord essayer de voir tout ce qu'on a reçu comme message. Et nous parlons ici de Tahliya, Qabla Tahliya. Oussama, elle a répondu, elle a dit, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Donc, ce qui est insinué, c'est de carrément éradiquer avec tous les mauvais comportements et avoir de bons comportements de nouveau. Quelqu'un qui a également son nom, c'est Violet, il a dit, donc, c'est de purifier mon âme de tout ce qui est mauvais acte et également ce qui me permettra d'avoir de bons actes après effectuer le pèlerinage. C'est comme si que je mets un habit très propre. Et la dernière participation d'une dame qui est Ala Abdallah est également de complètement d'expier les péchés et également d'adapter l'âme avec l'obéissance. Tous les avis, même s'il y a peut-être peut-être confusion ou peut-être ce que nous voulons dire par Tahliya. Avant Tahliya, essayer de s'expier de tous les péchés et de tous les mauvais actes. Donc maintenant, avec le début de ces 10 premières nuits, nous voulons atteindre et s'élever, atteindre également, essayer et demander pardon de Dieu. Et donc, il faudrait que nous nous libérons de ces charges. Et comme il a dit le prophète, le Dieu au prophète, nous avons également, nous t'avons soulagé de tout ce qui est, de tous les péchés, nous avons soulagé ton âme. Donc, je tiens à féliciter également nos téléspectateurs qui sont en train de continuer avec nous sur cette édition par Twitter et Facebook. Est-ce qu'il y a quelque chose de synonyme à Tahliya, quelque chose qu'on connaît plus? À Tahliya, si nous voulons la décrire légalement, c'est comment expier les péchés, c'est la Taouba. Donc nous devons les orienter vers la Taouba, vers l'expiation des péchés, avant de parler des autres actes. Comme un téléspectateur a souligné que je ne peux pas, bien sûr, avoir tous ces bons actes, toutes ces adorations, alors je dois également m'orienter vers la direction de Taouba. Je dois expier tous mes péchés. À Taouba, c'est une intention finale, c'est une intention et c'est une crédibilité. C'est ce qui a été rapporté par Dieu, que nous devons expier nos péchés, que nous devons également demander pardon de Dieu. Donc, nous devons pardonner Dieu et c'est un pardon final afin qu'il puisse nous pardonner tous nos péchés de passé. Donc, Dieu nous a ouvert les portes, mais la seule porte qui ne se ferme pas, c'est la porte demander pardon et de demander pardon de Dieu. Compte également pendant... Est-ce que... à l'istighfar ou à Taouba avant de commencer le travail, bien sûr, Taouba c'est un acte.
À Taouba, certains pensent que Taouba, ça veut dire qu'on ne veut plus recommencer de faire ces mauvais actes. Mais c'est aussi un acte, donc c'est d'obéir à tous les ordres, c'est-à-dire commencer à appliquer cela sur le terrain, comment le retracer et essayer d'expier nos péchés. C'est une compréhension très étroite, c'est-à-dire de réviser et de laisser ce qui n'est pas permis, le prohibité, de ne pas commettre tous les actes prohibités. Donc, il a décrit que c'est un nom qui regroupe tout ce qu'il faut dans la religion. Ibn Qayyim, il regroupe entre Tauba et l'unicité. Tauba et l'unicité, l'expiation des péchés avec l'unicité. Donc, il faudrait qu'on doit, une fois pour toutes, on demande pardon à Dieu. Donc, dans le Coran, il a été prononcé plusieurs synonymes comme Al-Inaba, Al-Auba. Est-ce qu'il y a une différence entre ces synonymes ou elles portent le même sens? Mais avant cette question, j'aimerais dire que certains disent pourquoi nous sommes en train de parler de Taouba. J'ai pas de péché pour l'expier. Il y a certaines personnes, ils prétendent qu'ils n'ont pas commis de péché dans le passé, donc il n'y a rien à expier, on ne peut pas expier ses péchés. Chaque personne peut commettre des erreurs, et les meilleurs et les plus ceux qui ont commis des erreurs, ce sont ceux qui font tout pour expier leurs péchés. Donc, non, on ne peut pas, on peut pas voir quelqu'un qui n'a pas commis d'erreur. Donc, nous devons bien comprendre cela, car nous sommes tous, nous manquons toujours à assumer nos responsabilités. Peut-être nous commettons pas des erreurs, mais peut-être qu'on le fait pas convenablement. Tout ce qu'on est ordonné de faire, on le fait pas entièrement. Et le prophète, c'est une description, d'âme avant qu'il soit une description vraiment de la personne. Donc, expier les péchés, c'est quelque chose qui est dans l'âme. Donc, celui qui adore Dieu a été créé quelqu'un qui s'attire par toutes les beautés de dans la vie. Ce hadith, il y a quelque chose, une description à moi, une description à nous tous, car certains d'entre nous, vous voyez, ils se croient qu'ils sont très exemplaires, alors ils ne commettent aucun péché dans leur vie. Chaque personne ne peut commettre un péché, mais selon son adoration et selon son rapprochement vers Dieu, il essaye d'expier tous ses péchés. Est-ce qu'on s'arrête à ça? Est-ce qu'on s'arrête à cette description? Donc, nous savons très bien que l'être humain a été créé comme un être qui oublie, un être qui s'attire derrière certains actes. Donc, il peut commettre des erreurs, il peut commettre des péchés. Et même celui qui n'est pas également, qui n'est pas vraiment croyant. Donc, c'est comme le verre que vous avez renversé. Donc, quoi que vous lui donnez de sourate, quoi que vous le conseillez, il ne bénéficie de rien de ces sourates. En ce qui concerne Taouba, Al-Auba, Al-Inaba, Al-Rujoua, ce sont des synonymes qu'on trouve dans le Coran. Dans le général, dans la définition générale, c'est de se rapprocher à Dieu et d'essayer de multiplier nos adorations et demander à Dieu de nous d'expier tous ces péchés, donc de nous permettre, de nous donner le pouvoir d'expier ces péchés. Donc, il y a une question, elle est naba, celui qui essaye de se rapprocher de Dieu pour plutôt être récompensé par ses adorations et celles-ci, et pour ceux qui sont pour tous les compagnons, les imminents, les ceux. Et l'autre terme qui veut dire, pour prendre en considération et comment essayer de suivre tous les ordres de Dieu, et c'est au prophète. Donc je pense que ce sont les synonymes ou les différences entre Tauba al-Inab ou al-Auba. Tauba, ça concerne tous les croyants, tous. Donc c'est Al-Inaba, ça concerne également ceux qui veulent être récompensés par leurs adorations, pour ceux qui sont sur le bon chemin. Wal-Auba, c'est pour les prophètes.
Ceux qui veulent vraiment expier les péchés, donc, et comme celui qui veut expier qui n'a pas de péché, donc tout le monde sont en train de parler de Taouba. Ici, quand nous parlons du prophète, quand nous entendons que le prophète, que la paix soit sur lui, demande pardon au Dieu plus de 70 fois. Et il lui prépare plus de 100 fois, et il prononce toujours le mot Dieu, il demande le pardon de Dieu, exalté de doigt, exalté soit-il, il demande pardon de Dieu. Donc nous savons très bien, lui qui ne commet pas de péché, qui ne connaît pas de mauvais actes, mais cette quantité, ce qui veut dire que cet être humain, c'est un sentiment que je dois avoir, et vous devez également, et les autres le doivent, ce qui nous montre que toujours nous manquons à quelque chose, nous avons un manque, nous n'avons pas accompli tous nos devoirs. Mais une fois, il commence à demander pardon. C'est comme si qu'ils se sont réveillés de ses péchés. C'est comme si, donc vous savez très bien qu'ils demandent pardon à chaque fois, car ils accusent leur acte. Même si leur acte qu'ils la font, sauf les gens qui sont complets, sauf ces personnes qui ne commettent pas d'erreur, même quand ils font cela, ils ne parlent pas de cet acte, ils ne se sentent pas prétentieux, mais ils se sentent toujours qu'ils ont besoin de faire de plus en plus, et ils craignent que Dieu n'accepterait pas leurs adorations et leurs pardons. Donc ils achèvent toutes leurs adorations à demander pardon chaque instant de Dieu. Donc, à chaque fois, nous devons prononcer le mot Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et Dieu nous a appris également, quand vous finissez de Arafat, vous devez également prononcer, passer et demander pardon de Dieu. Donc, l'istighfar ne doit pas également être uniquement quand il s'agit de péché. C'est là où on commet l'erreur. Donc, expier les péchés, demander pardon à Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'a pas accompli on n'a pas accompli tout ce qu'on a été ordonné de faire. Certaines personnes qui demandent pardon commencent à le demander quand ils savent qu'ils ont commis un péché. Peut-être qu'ils commencent à exprimer leur pardon, mais ils savaient très bien qu'il y a un certain manque dans ces actes, dans les ordres de la charia. Donc même si ils ont suivi toutes ces valeurs, certains par exemple qui font la prière, alors ils savent très bien qu'il a manqué à sa prière. Donc cette chose que j'essaye moi de récompenser par l'istighfar et par à demander pardon également de Dieu. Nous revenons à vous après les pauses et nous allons accueillir tous vos appels. Restez avec nous. Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs, encore une fois. Donc, nous saluons toujours, nous, nos téléspectateurs partout. Je vais également saluer les téléspectateurs de la chaîne Iqra en français, en anglais. Et j'aimerais bien sûr vous informer que ce programme est traduit vers le français, vers l'anglais. Tous les téléspectateurs de l'arabe, en arabe, de la chaîne en arabe, ils peuvent facilement écouter la traduction en anglais par la télécommande. Et également, pour ceux qui veulent suivre le programme en français, ils peuvent également utiliser la télécommande pour changer l'audio. Donc, vous pouvez suivre ce programme directement en anglais et en français. Chers téléspectateurs, nous étions en train de parler de la Taouba, ce que nous avons appelé hier à Tahliya qabla Tahliya. Donc, toujours, nous accueillons vos téléphones, vos appels téléphoniques, et nous allons commencer à recevoir vos appels directement au numéro suivant que vous allez voir sur l'écran. Mon cher, ce qui est apparent,
qu'il y a beaucoup de comportements qui peuvent conduire à l'expiation de ces péchés ou qui peuvent nous permettre de multiplier nos adorations pour expier nos péchés. En réalité, le pardon de Dieu et la miséricorde de Dieu est quelque chose qui est très grand. Il a été indiqué par le Coran et par la Sunna que ceci, parce que nous voulons vraiment que nous nous rapprochions à Dieu par notre amour, car les portes sont toujours ouvertes pour que Dieu puisse accepter toutes ces adorations, accepter nos pardons, et que sa miséricorde, bien sûr, tombe sur tous ces créatures, sur tous ces serviteurs. Donc, nous ne devons pas nous céder, se céder, et nous devons toujours continuer à proclamer sa grandeur. Donc, quelle est l'image que nous devons tous les jours lire? C'est au nom de Dieu. Alhamdulillah, merci Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, Ar-Rahma, comme nous voyons ici, c'est la miséricorde. On la trouve également dans la sourate Al-Fatiha. Mais ce qui voulait Dieu, il veut nous montrer qu'il est toujours miséricordieux et que personne, que tout le monde, bien sûr, saisisse cela pour se rapprocher de lui, pour également lui demander de leur pardonner pour tous les péchés qu'ils ont commis. Donc ma miséricorde qui plutôt dépasse ma colère, et c'est la colère, notre Seigneur est miséricordieux, et Dieu, il est le miséricordieux. Il y a beaucoup de versets coraniques que nous apprenons tous pour la miséricorde de Dieu. Et si l'être humain a vraiment fait son possible pour saisir ces moments, pour gagner de cette miséricorde, pour atteindre cette miséricorde de Dieu, ce qui nous motive, ce qui nous encourage à revenir, et que le Satan ne peut pas nous faire comprendre que cette ligne est lointaine entre nous, entre Dieu. Quoi qu'il en fasse, quoi que nous avons fait également, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Dieu est miséricordieux, exalté soit-il, est miséricordieux. Donc, si nous relisons ce verset mot à mot, il nous parle de cette miséricorde. Dieu, il a également indiqué ceci quand il nous a parlé de Israf. Donc, vous êtes en train de dépenser, de gaspiller, et vous êtes en train toujours de nous dire que tu me veux toujours reproche de toi. Donc, c'est une introduction qu'il doit me permettre à moi et à tous, nous permettre également de comprendre que les portes sont ouvertes, car il sait très bien, Dieu sait très bien que nous, les humains, nous l'implorons toujours et nous l'évoquons afin qu'il puisse accepter ses pardons. Mais moi, je vois que certains ne fournissent aucun effort de seul par notre nos propos. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de choses sur les types de Naouba, Taoubatel, les désobéissants et les autres Taouba. Par exemple, certains éminents disent qu'il y a Taoubat Inab, Taoubat où c'est le pardon de celui qui craint que Dieu ne va pas lui pardonner. Il y a également Taoubat l'Istijaba, la réponse que celui-ci qui connaît que Dieu va, bien sûr, va également l'aider à expier tous ses péchés. Il y a la Taouba Nasouha, c'est d'expier complètement et de demander pardon à Dieu. Et c'est là où l'être humain commence essaye de ne plus répéter tous ces mauvais actes qu'il avait commis. Donc, il ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse nous obliger à répéter ces bons actes. Il y a également Taouba al-Fasida, qui est la Taouba acceptée, celui-ci qui, à chaque fois,
Il essaye toujours de demander pardon, disant Astaghfirullah, avec le chapelet, mais alors que lui, il est en train de boire peut-être quelque chose d'illicite ou de commettre un acte très illicite, ou ceux qui travaillent dans les intérêts et qui utilisent le riba, ils sont en train de prononcer le mot Astaghfirullah. Ils demandent pardon à Dieu, ils proclament le pardon de Dieu, mais ils sont en train de commettre ces erreurs et ceci n'est pas bénéfique pour ces personnes, car cette taouba, il dit que celui-ci, il y a certains pardons, méritent également des pardons eux-mêmes. C'est là les types de taouba, de demander pardon de Dieu, taoubat al-inaba, et taoubat al-inaba, et les autres types de taouba. Quelles sont les formes de la taouba? Comment la personne demande ou la taouba ou expie le péché. La première chose à faire, et ceci a été décrit par l'imam Ahmad, Nadam, le regret. Et Dieu a juré de cette âme qui toujours regrette un acte commis ou qu'elle avait commis. Donc c'est quelque chose qui est très grand et qui dépasse même les obéissances des autres. Donc voilà ce qu'il dit, Dieu. C'est mieux que ceux qui dépassent les obéissances des autres alors qu'ils sont toujours des esclaves. Et certains qui pensent qu'ils sont toujours esclaves de ces péchés, de ces mauvais actes, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. Et il est en train de rentrer dans une compétition pour faire de son mieux, pour accomplir tout avec et s'attendre jusqu'à ce que Dieu lui pardonne ses péchés. C'est quelque chose qui est plus important et très important, même dépasse l'obéissance de certains, mais également essayer d'avoir un nouveau comportement après cela, après l'expiation des péchés. Nous arrivons à la deuxième phase. Nous allons poursuivre cette discussion après la pause. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous encore une fois. Nous sommes toujours en train de parler dans cette édition sur At-Tawba ou At-Tahliya, comme nous l'avons appelé hier. Donc, nous recevons vos participations sur hashtag et Walaya al-Ashr, et également vos appels téléphoniques, comme vous voyez les numéros qui apparaissent en direct sur l'écran. Maintenant, nous arrivons, touchons à la fin de cette partie, cher Taoufik, et nous avons beaucoup de sujets, mais nous allons voir comment nous pouvons imaginer At-Tawba par des personnes et comment nous pouvons l'imaginer par les prophètes alors qu'ils ne commettent aucun péché. Vous avez parlé avant cette pause, je vais vous dire que même les chaînes satellitaires ont des pauses alors qu'ils nous obligent sur ces pauses. Donc moi je vais vous rappeler, je rappelle encore une fois que nous sommes toujours dans les 10 jours, les 10 premières nuits. Donc, n'importe quelle adoration, il faudrait multiplier les adorations, les évocations. Et donc, l'évocation qui peut être également partout. Vous pouvez le faire dans votre voiture, dans votre véhicule. Moi, j'étais dans le bureau, par exemple. Je commençais à évoquer Dieu. Il y a de nos frères Philippines. Qui était un peu choqué de ce que je fais. Donc, ceci est considéré comme quelque chose de très recommandé. Donc, ici, les bons actes sont mieux acceptés par Dieu. Ils sont acceptés par Dieu plus que les autres jours. Et il leur a rendu même pas le djihad ou la guerre sainte. Quand un homme est venu, il lui a dit au prophète, montrez-moi un acte qui est égal au djihad. Le prophète, nous allons finir ce dialogue après cette communication, docteur Abdallah.
Oui, salam alaykoum wa rahmatullahi wa Salam wa barakatuh. Alaykoum salam. rahmatullahi wa barakatuh. Allez-y, docteur. Merci beaucoup. Je veux ajouter quelque chose sur ce qui a été avancé par le cher. C'est une intervention. Également, il y a l'ordre de Dieu. Donc Dieu également a demandé que les gens doivent demander pardon ici, ce qu'il voulait dire, qu'on a tous besoin de demander pardon et d'expier nos péchés et proclamer le pardon de Dieu. Et ici, nous devons, et certains également, fuir de cette miséricorde. Et cette question que l'être humain, quand il veut demander pardon, donc lui est demandé de demander pardon à tout instant. Et également, il le motive pour le faire. Ceci est lié directement à la saison de pèlerinage. Et c'est quelque chose de très clair, car cette saison, il peut transformer l'être humain. Un autre être humain, il le ramène pour il lui permette pendant le pèlerinage d'expier tous ses péchés et de sortir comme si que c'est comme qu'il est un nouveau-né. À Taouba, c'est quelque chose de très élevé. Comme il a été décrit par certains psychologues, c'est comme essayer de changer un comportement, c'est un changement de comportement. À Taouba, c'est quelque chose de très profond, ce n'est pas seulement de comportement et des mouvements apparents, mais c'est quelque chose qui vient de la foi, de l'âme. Donc c'est sa source et c'est la base d'où cette Taouba peut être exprimée. Et ce qui a été également proféré ou indiqué par notre chair, c'est des actes, l'âme, se rapprocher de Dieu, les adorations, les vocations. Il y avait eu une étude auparavant sur le grand effet du pèlerinage sur le pèlerin. Ils ont montré que le pèlerin, certains pèlerins se sont mis d'accord lors de cette étude qu'ils veulent et qu'ils sont engagés et qu'ils étaient engagés à ne plus revenir aux actes qui étaient auparavant. Ils ont fait cette étude, ils ont senti que ces personnes ont été complètement lavées et leurs péchés expiés complètement. Et c'était quelque chose, c'est comme une motivation pour lui de ne plus revenir et commettre tous ses péchés dans le futur. Il y a cette étude qui a été effectuée sur 10 pèlerins. Et il disait que les meilleurs rituels qu'ils ont influencés, qui les ont affectés, et qui a fait bouger tous ces sentiments très forts, et cette demande, c'est proclamer le pardon de Dieu, c'est des positions. Le premier rituel, c'est Arafa. Nous devons résumer, docteur. Je vais finir avec ce mot. Le deuxième rituel, c'est Al-Wukuf, ou c'est le mont Arafa, quand il stationne au mont Arafa. Et le deuxième, c'est quand il se stationne et observe la demeure sainte, comme il a été indiqué également par notre cher. Et nous demandons à Dieu d'accepter nos pardons et pour être les plus joyeux parmi tous les musulmans les plus joyeux sur cette terre. Je vous remercie. Que la paix soit sur notre prophète Mohammed. Merci beaucoup, docteur Abdallah. Nous allons continuer, cher. Donc, cette intervention est une intervention très belle qui a touché beaucoup de choses, des choses dans l'âme. Et docteur Abdallah est très connu et qui a un ouvrage
Donc, je dis à chaque père de famille d'aller et de visiter sa bibliothèque pour voir que nous sommes en train de souffrir dans les méthodes de comment éduquer nos enfants. Peut-être nous n'en avons pas couvert assez dans cette partie, mais Dr. Abdallah a bien couvert le sujet. Et comme il a dit, Cheikh l'Islam Ibn Qayyim, à Tauba ou demander pardon, et nous savons très bien, lui, il mérite ce nom, car il est vraiment le cheikh de l'islam. Et c'est quelque chose qui regroupe tous les rituels, les adorations, car nous ne pouvons jamais diviser la religion, ou nous pouvons, c'est uni. Donc les conditions de la Tauba, où c'est un regret, ensuite, revenir à nos actes, à bons actes. C'est une relation qui lie l'être humain à Dieu. Et le prophète, que la paix soit sur lui, dit que le ventre doit contenir ce qu'il a à l'intérieur. C'est comme ça, ce qui va permettre à ces gens de se repentir. Donc, le sujet est très important, que ces droits ne doivent pas être des humains, des regrets humains, comme l'insulte, l'humiliation, mais il faudrait également rendre tous ceux qui ont besoin de leurs droits, tous ceux envers lesquels nous leur devons ces droits, nous devons leur rendre ces droits. Et le prophète également était parmi ces gens, donc celui à qui, donc il peut, si quelqu'un a un droit envers moi, qu'il peut le prendre. Et voilà ce que je veux dire par le repentir. Demain, nous allons parler, nous allons voler loin dans une autre dimension. Je vais l'appeler Al-Mufarridoun. Al-Mufarridin, donc notre sujet sera Al-Mufarridin. Qui sont Al-Mufarridoun? Quelle est leur fonction et qu'est-ce qu'ils font? C'est notre sujet demain. Et nous sommes en train de donner le sujet, un nouveau sujet pour demain. Nous voulons votre participation avec nous. Et c'est notre sujet sous titre de Al-Mufarridoun. Et nous allons utiliser le titre que vous voyez sur l'écran. Cheikh, avant l'appel de Dr. Abdallah, vous étiez en train de parler rapidement sur une pause. Une pause de cette partie, comment essayer de motiver les gens de se saisir de ces 10 premières nuits et de multiplier leurs adorations, de multiplier, de demander pardon à chaque fois. Donc un homme a demandé le prophète, il faudrait m'indiquer un acte qui est égal au djihad ou à la guerre sainte. Il a insisté l'homme et le prophète lui a dit, est-ce que tu peux... une fois que tu fais faire carême et tu t'abstiennes, tu t'abstiennes à manger. Donc voilà ce qui est égal au Mujahid. Tous les actes qu'on fait, c'est-à-dire c'est de jeûner, ce sont les actes, les adorations. Mais vous n'êtes pas demandé à faire cela, mais ce qui est demandé de toi, c'est également à chaque fois d'évoquer ou de donner la nourriture, d'avoir un bon comportement, une bonne éducation, un bon acte qui dépasse même le degré de djihad. Nous allons voir demain le sujet de demain, nous allons vous rencontrer demain, ce sera le sujet de Al-Mufarridoun. Assalamu alaikum. لبيك الله